Pour les trois derniers cours, nous allons procéder par euh, vidéo. Euh, alors, en ce qui concerne le partiel, j'ai aucune réponse à vous donner, donc euh, évitez de me poser la question. Pour le moment, je n'en sais rien du tout. Est-ce que l'université sera réouverte ou pas Je ne sais pas. On verra euh, en temps voulu. Pour le moment, on va partir du principe que l'université sera ouverte, que l'on pourra lors de la 13e semaine faire un partiel comme d'habitude. Et, euh, et c'est tout. On verra au fur et à mesure comment ça fonctionnera. Euh, en ce qui concerne le TD, je vais vous mettre des exercices en ligne. Je vous enverrai un petit mail avec euh, les consignes. Mais euh, voilà, Donc, vous aurez des exercices en ligne à faire que vous devrez me rendre sur Sélène. Et euh, je, je, je ne pourrai pas, probablement pas. Tout corriger individuellement ou madame Duga ne pourra pas tout corriger individuellement mais vous serez noté sur le rendu en tout cas et on vérifiera quand même que le rendu est à peu près sérieux si vous me rendez un dessin de Mickey Mouse évidemment vous n'aurez pas de point de participation pour cela et vous aurez la correction la semaine d'après uniquement pour ceux qui ont rendu un exercice vous aurez la correction la semaine d'après en vidéo pas une, pas une correction écrite pour éviter justement que vous n'appreniez par cœur des textes tout faits. Voilà, donc ça c'est pour l'organisation globale du cours pour la fin du semestre. Pour le CM, donc je vais vous faire des vidéos comme celle-ci. Je vais essayer de les faire peut-être un peu plus courtes. Alors on va bien voir, mais peut-être un peu plus courtes qu'en euh, qu amphithéâtre, parce que bon, déjà, vous n'avez pas la possibilité de poser vos questions, et ensuite, c'est peut-être un peu long de regarder juste une vidéo. Euh, lorsque j'aurai besoin de pointer certains éléments euh, du diaporama, vous verrez le curseur s'afficher. Donc évitez de, juste d'écouter la vidéo. Regardez également ce qui se passe sur les diapos. Et enfin, si vous avez des questions à poser, je mettrai euh, sur Selene, il y a des petits outils pour créer soit des chats, soit des petits forums. Donc je mettrai dans chaque section un petit chat ou un petit forum sur lequel vous pourrez vous poser vos questions. J'y répondrai euh, en texte. Et comme ça, chacun pourra profiter des questions et des réponses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Donc, on commence le cours 9 sur les voyelles. Alors, le cours est divisé en trois parties. L'objectif est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une voyelle sur le plan acoustique et comment reconnaître une voyelle. Donc, parties. Premièrement, on va parler de l'amplitude, qui est l'élément le plus important pour reconnaître une voyelle par rapport aux autres types de sons, c'est-à-dire les consonnes et euh, les semi-voyelles, qui sont également des consonnes. On a pu voir ça il y a quelques semaines. Puis, dans un deuxième temps, nous allons voir comment reconnaître les voyelles entre elles, Donc, quelles sont les propriétés qui permettent de distinguer le « i », du « a », du « e », etc., et euh, pour cela, on va voir que là, ce n'est plus l'amplitude qui nous aide, mais c'est la fréquence, et notamment certains, certaines zones de fréquence renforcées qu'on appelle des formants. Donc on reviendra sur des notions qu'on a vues la semaine dernière, telles que par exemple les harmoniques, le filtre, etc. Et enfin, on abordera certains éléments qui sont particulièrement liés aux voyelles, mais pas seulement, et euh, qui concernent la prosodie. Donc la prosodie, vous vous souvenez, on en a vu déjà... Avec la partie articulatoire, c'est tout ce qui est du domaine de la longueur, de la hauteur et de l'intensité. L'amplitude, donc. Alors, vous vous souvenez que l'amplitude, c'est ce qui est noté en décibels et qui correspond sur le plan auditif à l'intensité. Donc plus un son est intense, plus, enfin, plus il nous paraît intense, plus il est ample sur le plan acoustique. Et moins il est ample, moins il nous paraît intense, inversement. Sur la courbe sinusoïdale, vous vous souvenez que l'amplitude, c'est la distance qu'il y a entre le point zéro et euh, le haut de la vague. C'est comme lorsque l'on jette un caillou dans une mare. Si le caillou est petit, ça fait des petites vaguelettes, donc l'amplitude est faible. Et si on jette une grosse pierre, ça fait des grosses vagues, l'amplitude est forte. Et bien les voyelles, les voyelles, ce sont des sons qui ont une amplitude forte. Alors à quoi c'est dû L'amplitude est liée en phonétique à euh, ce qu'on appelle la soufflerie, c'est-à-dire l'action des poumons, mais également euh, du larynx <coughs> et de l'ensemble euh, de. Alors oui, je tousse, euh, je n'ai pas le coronavirus, je vous rassure. Donc euh, l'ensemble euh, des poumons, du larynx et en réalité de l'ensemble aussi de la cavité buccale, mais dans une euh, moindre mesure. Alors, on va voir ça euh, petit à petit. L'amplitude est liée en premier lieu, au degré de pression exercé par la soufflerie, les poumons. Lorsque vous appuyez fortement avec les poumons, vous exercez une pression qui est plus forte et qui, du coup, va avoir un impact plus important sur les molécules d'air. C'est exactement comme l'exemple de la pierre et de la mare de tout à l'heure. Si vous jetez une petite pierre, vous allez avoir une pression faible sur l'eau. Si vous poussez faiblement avec les poumons, vous allez avoir un impact faible sur l'air, et donc une amplitude faible. Si à l'inverse, vous jetez une grosse pierre dans la mare, vous avez un impact fort sur la surface de l'eau, et donc une amplitude forte. Eh bien, si vous soufflez fortement avec les poumons, si vous soufflez euh, franchement, euh, vous allez avoir un impact fort sur les molécules d'air, et donc une amplitude forte. Ça, c'est ce qui... C'est ce que l'on pourrait dire si on n'avait que des poumons et si l'appareil phonatoire s'arrêtait aux poumons. C'est euh, un petit peu le cas d'un être humain qui n'aurait pas de tête, par exemple, et encore, puisqu'il y a toujours le larynx. Mais il se trouve que donc on a plein d'autres organes qui sont entre les poumons et la sortie de l'air. Ces organes sont le larynx, le pharynx, la cavité buccale, la cavité nasale et les cavités labiales. Et bien, Tous ces, tous ces organes... Ont, on l'a vu euh, lorsqu'on a fait la partie articulatoire, ont un impact sur le passage de l'air. Ils peuvent plus ou moins obstruer le passage de l'air, le canal dans lequel l'air passe. Et cette obstruction du passage de l'air a un impact également sur l'amplitude. C'est un impact secondaire. Donc d'abord, on a les poumons qui ont une pression plus ou moins importante, puis, puis le, le... Comment dire les différentes modulations que l'on peut, euh, peut donner à l'appareil phonatoire vont avoir un impact sur cette pression. Si vous produisez un son tel qu'une fricative ou une occlusive, la pression infraglottale est plus importante, on l'a vu, que la pression supraglottale. D'accord Et donc l'amplitude est légèrement plus faible. En revanche, si vous avez, euh, si vous, vous avez un son avec une voyelle ou une sonante, la pression infraglottale est égale à la pression supraglottale. Et là, l'amplitude est plus forte, puisque l'air passe en continu sans être bloqué. Donc, c'est comme sur le petit schéma que vous avez ici. Imaginez que euh, vous avez donc les poumons qui sont représentés par, euh, par le début des flèches qui sont ici, par exemple, qui euh, envoient beaucoup d'air, représenté par trois flèches. Si ensuite votre cavité pardon, buccale ou pharyngale, enfin, quelle que soit la cavité de laquelle on parle, <coughs> bloque en partie le passage de l'air, alors seule une partie de cet air va sortir et euh, avoir un impact sur les molécules d'air à l'extérieur. Et donc l'amplitude est moins forte. Bon, C'est exactement ce qui se passe. <coughs> Bien. Et alors à quoi ça sert de dire tout cela eh bien, il se trouve que les sons les moins obstruants que l'on a vus en début de semestre, de semestre pardon, ce sont les voyelles. Et puisque ce sont les sons les moins obstruants, ce sont ceux qui laissent passer le plus d'air et donc ceux qui ont la plus forte pression sur les molécules d'air qui sont à l'extérieur de l'appareil phonatoire. Donc, ce sont les sons les plus intenses. Si je laisse passer l'air, j'ai un son qui est intense que si je ne laisse pas passer l'air. Dans ce cas-là, si je ne laisse pas passer l'air, la pression infraglottale est importante, mais la pression au-dessus de la glotte l'est moins. Et le son est donc moins intense et moins ample. Et donc c'est ça qui permet de reconnaître les voyelles. Les voyelles sont les sons les plus intenses de euh, la parole. Donc ce sont des sons qui sont plus intenses que les semi-voyelles, que les sonantes et que les obstruantes. Et si vous avez bien compris euh, ce que je viens d'expliquer, vous pouvez voir qu'il y aura une y a une gradation entre ces catégories de sons. Les sons les plus intenses sont les moins obstruants et inversement les sons les moins intenses sont les plus obstruants. Donc les occlusives, on s'attend à ce que ce soit les sons les moins intenses, les fricatives un peu plus intenses, un peu plus amples donc les semi-voyelles, les sonnantes pardon d'abord. Les sonnantes encore un peu plus amples puis les semi-voyelles encore un peu plus amples, et enfin les voyelles, les sons les plus amples. Donc on verra ça euh, la semaine prochaine. Mais euh, voilà, c'est ça le principe. On a donc une échelle d'obstruction qui est liée à l'échelle d'amplitude de la façon que je viens d'expliquer. Bien, alors maintenant, comment reconnaître concrètement une voyelle sur une représentation graphique du son Prenons un oscillogramme. Vous vous souvenez que l'amplitude est le degré le degré, le, plutôt la différence euh, qu'il y a entre le degré 0 et, et, euh, et son éloignement. Enfin, je recommence ma phrase. Euh, donc l'amplitude est euh, l'éloignement entre le 0 décibel et euh, le haut de la courbe qui représente la fréquence fondamentale. Bon, Regardez donc ici la phrase qui est représentée. Que vous pouvez lire, puisque vous connaissez tous l'API maintenant, phrase d'exemple. Dans phrase d'exemple, vous avez, vous les reconnaissez sur l'API, trois voyelles 1, 2 et 3. Le A, le E et le O. Regardez maintenant ce qu'on a sur l'oscillogramme. À chaque voyelle correspond une espèce de nuage ou de bulbe, disons une sorte de forme qui semble être plus ample que les sons voisins. Donc le A de phrase d'exemple, est plus ample, visiblement, sur le que le R qui se trouve à sa gauche ou que le z qui se trouve à sa droite. Le E es est moins ample que le A, mais il est plus ample que le D qui se trouve à sa gauche ou que le G qui se trouve à sa droite. Et enfin le An, en", qui est également moins ample que le A, est tout de même plus ample que le Z qui se trouve à sa gauche et que le P. Qui se trouve à sa droite. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut à chaque fois comparer l'amplitude par rapport aux sons qui sont à gauche et les sons qui sont à droite. Si le son que vous observez est plus ample que ses voisins, c'est que probablement il s'agit d'une voyelle. Pour des raisons qui sont liées à la syllabe qu'on a vue euh, il y a déjà quelques semaines. Alors pourquoi ces trois voyelles n'ont pas la même amplitude en revanche Ça, vous avez déjà les éléments de réponse puisque un son est d'autant plus ample qu'il est peu obstruant eh bien on s'attend à ce que les voyelles les plus ouvertes qui sont les moins obstruantes soient plus amples que les voyelles les moins ouvertes qui sont les plus obstruantes d'accord l'aperture c'est exactement la même chose que l'obstruction si l'aperture est fermée l'air passe moins et donc le son est moins ample moins intense si euh en tout cas, soufflerie égale. Si euh, le, au contraire, l'aperture est ouverte, alors l'air plus, passe plus pardon, et euh, le son est plus intense. Et donc c'est pour cela que le A est plus intense que le E. Alors pourquoi le AN est plus intense, et moins intense pardon, que le E et que le A, ça c'est quelque chose qui est lié à la nasalité et que l'on va voir un petit peu plus tard. Voilà, donc vous savez reconnaître euh, les voyelles sur un oscillogramme. Oui, c'est pas très compliqué. Ça ressemble une sorte à une sorte. En gros, un oscillogramme, ça ressemble à un petit peu à un collier de perles. Et les perles correspondent aux voyelles. Oui, ce sont les trois perles que l'on a ici. Ça ressemble à des sortes de perles. Alors pas rondes, peu importe. Mais c'est aisément reconnaissable. Sur un spectre. Bon, C'est peut-être pas euh, le, le mode de représentation graphique du son le plus facile à lire, mais on arrive plus ou moins aussi à, si on compare deux spectres, à reconnaître lequel des deux spectres correspond le plus à une voyelle. Donc, vous voyez qu'ici, la, la fenêtre de fréquence, euh, pardon, la fenêtre, la fenêtre d'amplitude n'est pas exactement la même dans les deux spectres. Ici, vous avez jusqu'à 40 décibels de représenté et ici jusqu'à environ euh, quelque chose comme 35 décibels ou quelque chose comme ceci. Et euh, qu'est-ce que l'on observe On observe que dans le A, les fréquences basses, qui sont donc liées à la fréquence fondamentale, qui sont les fréquences les plus amples généralement, vont jusqu'à 40 décibels et même au-delà pour le A, tandis que pour le Z, on va jusqu'à environ 25 décibels. D'accord Donc le Z est moins ample que le A, on l'observe sur le spectre. Sur un spectrogramme, on a vu que euh, l'amplitude n'est pas directement représentée par l'axe vertical ou par l'axe horizontal. Ce n'est pas que pas directement, c'est pas du tout. L'amplitude n'est pas du tout représentée sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Elle est représentée par le degré de clarté ou d'obscurité que l'on observe à chaque point du spectrogramme. Donc ici, il faut reconnaître quelles sont les zones les plus sombres. Alors on remarque qu'il y a une zone particulièrement sombre ici. Alors tout n'est pas sombre, bien sûr, puisque toutes les fréquences ne sont pas nécessairement euh, avec une forte amplitude. L'important, c'est de voir qu'il y a des fréquences avec une forte amplitude, notamment les fréquences basses. Donc ici, on a euh, voilà, une espèce de nuage assez euh, sombre. D'ailleurs, qui ne ressemble pas tout à fait à un nuage, il y a des espèces de traits. Vous voyez, ça ressemble à des... Des, comme des, des barres un peu. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc on a des espèces de, de, de marques plus sombres que dans les sons voisins. Donc le son est plus ample que les sons voisins. Même chose ici, le A. Alors moins que le A, mais on a des, des, des taches, des marques qui sont assez sombres. Ici, là, là et là. Et qui sont plus sombres que dans les sons voisins. Là, c'est quasiment tout blanc. Ici. Pareil, bon, en tout cas c'est très euh, clair. Donc ce son correspond probablement à une voyelle. Puis si on continue, alors le the, on voit qu'on a des tâches assez sombres, mais pas autant que le ⁇ an qui est à côté, qui a des tâches plus sombres encore. Plus sombres que le the et plus sombres que ce qu'on a dans le ⁇ p. Donc c'est probablement une voyelle. Donc on a toujours, c'est la même phrase de toute façon, toujours nos trois voyelles, le ⁇ a. Le e et, et le en. Et la raison pour laquelle le a est plus sombre que les autres voyelles est la même que tout à l'heure. C'est exactement le même son. C'est simplement une autre représentation du même son. Donc le a étant plus ouvert, l'air plus, passe plus, pardon, et donc le son est plus ample, plus intense. Donc ça c'est pour euh, la reconnaissance des voyelles par rapport aux autres sons. Donc si je résume. Une voyelle, c'est un son qui est peu obstruant et donc, à soufflerie égale, plus intense que les autres sons. Plus intense, donc sur une représentation graphique du son, c'est le, le type de son qui a le, la plus forte amplitude. Donc sur un, un oscillogramme, c'est ce qui correspond à une espèce de bulbe par rapport au son voisin, comme une sorte d'oignon. Euh, sur un spectre, c'est le son qui a les fréquences basses les plus hautes et euh, les plus hautes en termes, en termes graphiques, hein, cest à avec plus de forte amplitude, donc les barres qui vont le plus haut sur le spectre. Et, euh, <coughs> et enfin, en trois, sur un spectrogramme, ce sont les sons qui sont les plus sombres. Bien. Alors on verra qu'il y a une autre manière de reconnaître les voyelles par rapport aux autres sons et qui n'est pas directement lié à l'amplitude. Indirectement, c'est lié, mais pas directement. Et cette deuxième manière de, rec de reconnaître les voyelles, c'est ce qui permet aussi de reconnaître les voyelles entre elles. Et c'est ce qu'on appelle les formants. Donc maintenant, on va aborder cette notion de formant. Alors, avant de donner une définition de formant, il faut peut-être revenir sur certains points qu'on a vus la semaine dernière, et euh, qui est le modèle source-filtre. On a vu que pour produire un son, on a, euh, on a besoin d'une source et d'un filtre. On a nécessairement les deux. Dans les sons de la nature, on a nécessairement les deux. On a nécessairement une source qui produit le son, qui produit vraiment le son, et le filtre qui vient moduler le son. Et dans la nature, il n'existe pas de son sans filtre. Et bien sûr, vous ne pouvez pas avoir de son sans source, ça c'est totalement exclu. Alors la source des voyelles, sur le plan phonétique, c'est la fréquence laryngée. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis harmonique. Euh, si, pardon, oui, oui, non, n'importe quoi. Oui, la fréquence laryngée, qui... Euh, alors, bon, je vais recommencer ma, ma diapo. Donc, c'est la source euh, pour les sons des voyelles, c'est ce qui correspond à la vibration des cordes vocales, voilà, qui vous donne, et la fréquence laryngée, que l'on appelle également, et c'est un terme que vous avez vu la semaine dernière, la fréquence fondamentale. C'est ce qui correspond à la vibration... Des cordes, des cordes vocales dans leur ensemble. Et également, on a les harmoniques qui accompagnent cette fréquence laryngée. Et ça, les harmoniques, on les a vues également la semaine dernière. Ce sont les vibrations de chacune des sous-divisions des cordes vocales. Bien. Donc ça, c'est la source des voyelles. Ce sont toutes ces fréquences, ces sons périodiques qui sont euh, juxtaposés et euh, produits par la vibration des cordes vocales puisque je rappelle, toutes les voyelles sont produites avec une vibration des cordes vocales. Et enfin, on a le filtre. Et le filtre des voyelles, eh c'est euh, l'ensemble des cavités par lesquelles euh, passe la fréquence qui est issue de la vibration des cordes vocales. D'accord Alors je dis la fréquence, je devrais dire les fréquences, puisque encore une fois, on a la fréquence fondamentale et les harmoniques. Et donc, euh, ces cavités, c'est la cavité pharyngale qui se trouve ici la cavité buccale qui se trouve là, la cavité labiale ici, et également la cavité nasale qui se trouve en haut. Bien. Et chacune de ces cavités a un impact sur le son selon le principe de résonance que l'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire que la forme <laughs> et euh, la, 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 la matière dans lesquelles sont faites euh, ces différentes cavités vont permettre à certaines fréquences de, de rebondir de façon plus importante et donc de gagner en amplitude, tandis qu'elles vont atténuer, affaiblir d'autres fréquences. Exactement comme euh, ce que j'avais raconté sur le ballon de basket que vous faites rebondir soit sur du carrelage, soit sur un tapis. Sur du carrelage, le ballon de basket y rebondit plus fort et sur le tapis, eh il rebondit moins fort. C'est exactement le même principe. Le son, c'est un peu comme un ballon de basket. Lorsqu'il va dans certains, dans certains espaces, eh bien, il euh, rebondit plus fort. Ou plutôt, certaines parties de ce son rebondissent plus fort. Et dans d'autres espaces, euh, certaines parties de ce son rebondissent moins fort. Et c'est ça le filtre. Et donc, ce filtre va nous donner ce que vous avez sur euh, ici le, le diaporama une modulation du son qui est issu de la source. Donc, imaginez ici, vous avez le son issu de la source avec une fréquence fondamentale qui est, encore une fois, sur le spectre, la fréquence la plus basse, et puis l'ensemble de ces harmoniques qui sont toutes les fréquences qui sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Le filtre vient moduler l'amplitude de chacune de ces fréquences. Et donc, en fonction de la modulation de votre appareil phonatoire, vous allez comment dire, apporter un filtre, un certain filtre ou un autre, sur le son qui est issu de la vibration des cordes vocales. Et cette vibration, cette, pardon, cette modulation euh, du son issu de la vibration des cordes vocales, vous donne ce que l'on appelle le timbre. Donc le timbre, vous avez une représentation ici, avec certaines fréquences qui sont, si vous comparez avec la source, affaiblies, et d'autres qui sont, alors peut-être pas renforcées ici, mais qui sont moins affaiblies. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce timbre qui est issu donc de la source et du filtre, eh bien vous avez certaines fréquences qui sont plus amples que d'autres. Et ces fréquences ne correspondent pas nécessairement à la fréquence fondamentale. Elles peuvent correspondre à des harmoniques qui se retrouvent avec une fréquence plus importante, plus ample que la fréquence fondamentale. Et ces harmoniques qu'on appelle des harmoniques renforcées sont des formants. On les appelle des formants. Et cette notion de formant, elle est extrêmement importante en phonétique parce qu'elle est liée à la modulation de l'appareil phonatoire. On vient de voir que ce qui permet de renforcer certaines harmoniques ou d'affaiblir d'autres harmoniques, c'est le filtre. Donc l'ensemble des cavités par lesquelles passe, euh, passe le son issu de la vibration des cordes vocales. Or, nous, ce qui nous intéresse en tant que phonéticiens, c'est comment sont prononcés les sons. Comment euh, reconnaître un I d'un A Sur le plan articulatoire, on le sait. Le I à la langue qui est vers l'avant a une aperture qui est moins importante, tandis que le A à la langue plutôt dans une position relâchée et une aperture plus importante. Bon. Et bien maintenant, il faut voir sur le plan acoustique quels sont les indices de ces différentes articulations. Et bien les indices de ces différentes articulations, ce sont les harmoniques qui ont été renforcées par tel ou tel filtre. Chacune des articulations possibles pour les voyelles donne un filtre, un filtre spécifique qui va venir renforcer certaines fréquences et en affaiblir d'autres. Et donc les formants sont des indicateurs de la position de la langue, de la position des lèvres, de la position euh, du voile du palais, etc. etc. Et donc c'est ça que nous allons commencer à voir maintenant. Le premier formant, ce qu'on appelle le premier formant, c'est la première zone, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences euh, les plus basses qui ont été renforcées. C'est ça le premier formant. Donc, on, on parle généralement de formant 1, formant 2, formant 3, en fonction de la hauteur de ces zones d'harmoniques renforcées. Donc, le premier formant, c'est la zone d'harmoniques les plus basses dans la, la plage de fréquences qui ont été renforcées. Et ce premier formant est défini par la cavité pharyngale. Alors, la cavité pharyngale, euh, vous pouvez vous demander peut-être, Marie, mais ça a rapport avec les voyelles. On n'a jamais rien vu euh, en rapport avec les voyelles et la cavité. Enfin, on n'a jamais rien vu euh, sur les voyelles en rapport avec les, la cavité pharyngale. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a vu que euh, ce qu'on appelait l'aperture, donc le, la, la distance qu'il y avait entre la langue et le palais osseux, était également lié à quelque chose qui se passait dans la cavité pharyngale et qu'on a appelé l'atérité, si vous vous souvenez. L'atérité, c'est le degré de distance qu'il y a entre la racine de la langue et la paroi pharyngale. Et il se trouve que cette distance, elle est liée à l'aperture. Plus la langue est éloignée de, euh, du palais dur, plus la racine de la langue est proche. Du voile du, du voile du palais est proche de la paroi pharyngale. D'accord Et inversement, euh, plus la langue est proche du palais dur, plus la racine de la langue est éloignée de la paroi pharyngale. Donc, euh, cette, euh, cette, euh, cette position de, 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 de la racine de la langue dans le pharynx nous donne une information sur l'aperture. Alors, vérifions maintenant sur quelques spectres. Regardez ici les voyelles euh, antérieures non arrondies et postérieures arrondies euh, en fonction de leur aperture. Donc en haut, vous avez une ligne qui représente la partie antérieure du triangle vocalique. donc On passe du plus fermé au plus ouvert. I, E, E, A. Et en bas, vous avez la partie postérieure du triangle vocalique avec euh, les voyelles de la plus fermée à la plus ouverte. OU, O, O. o ah. Et regardez maintenant les fréquences les plus, euh, les plus basses qui ont été renforcées, qui ont une amplitude haute. Alors sur le i, vous pouvez voir que ben, les fréquences euh, les plus basses avec une amplitude importante, elles sont quand même très très proches de zéro, Autrement dit, elles sont très très proches de la limite gauche de notre petit cadre ici. Et si vous regardez maintenant le e, vous pouvez voir que eh bien, on a... On a Petit peu plus d'espace entre le cadre et ces fréquences-là, d'accord Il semble y avoir un petit peu plus de un trait un peu plus épais. Alors je n'arrive pas à voir à quel degré de zoom vous pouvez voir sur vos écrans, mais comparé maintenant entre le E et, et le E, vous pouvez voir que là, tout en haut, il y a carrément un espace entre l'amplitude, euh, pardon, la fréquence la plus ample et la gauche du cadre du E, d'accord Et enfin, si vous regardez le A. Vous pouvez voir que le pic ici d'amplitude, il est assez éloigné du cadre du A, d de la gauche du cadre du A. Donc ce que l'on voit ici, c'est que eh bien, euh, ce formant 1, cette zone de fréquence renforcée ayant la fréquence la plus basse, eh bien, elle a une fréquence plus basse pour le I, une fréquence un peu plus haute pour le E, puisqu'elle est un peu plus éloignée de 0, une fréquence encore un peu plus haute pour le E. Et une fréquence encore plus haute pour le A. Vous voyez que l'éloignement de, de ce formant par rapport au degré 0 est de plus en plus important en fonction de l'aperture. Même chose pour OU, o, o, A. Le OU, vous voyez que le premier formant est collé à la gauche du cadre du OU. Puis le O bah, est déjà un peu moins collé. Le O encore moins collé. Et le A et que le premier formant est totalement décollé du, de la gauche du cadre de cette voyelle. Donc, encore une fois, le premier formant a une fréquence plus haute pour les voyelles les plus ouvertes et moins haute pour les voyelles les plus fermées. Regardons maintenant un spectrogramme. C'est beaucoup plus visible sur un spectrogramme, d'ailleurs. Les formants, c'est ce qui correspond à ces espèces de barres noires que l'on a vues tout à l'heure. Ces barres que vous voyez ici, là. Là, 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 etc. Que vous voyez sur chacun de ces spectrogrammes. Eh bien, ces barres, ce sont les formants. Et donc, les formants 1, ce sont les barres les plus basses dans le spectrogramme. Formant 2, ce sont les barres qui sont juste au-dessus. Formant 3, les barres qui sont encore au-dessus, etc. D'accord Et ces formants, eh bien, on les trouve pas dans n'importe quels son. On les trouve particulièrement dans les voyelles également les sonantes, on le reverra un peu plus tard, mais particulièrement dans les voyelles et donc c'est aussi un élément qui nous permet de reconnaître les voyelles par rapport aux autres sons. Ces sons, les voyelles, les sons vocaliques ont des formants et notamment des formants amples qui ont une forte amplitude, qui sont sur un spectrogramme très sombre. Bien. Donc revenons maintenant à la hauteur du formant 1 sur le i, vous voyez que le formant 1 est très bas dans le spectrogramme, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence très basse. Pour le e, il est un petit peu plus haut. Donc alors je sais que c'est un petit peu subtil, mais regardez bien, vous avez un petit peu de blanc en dessous, ce qui veut dire que il y a une zone en dessous qui a une fréquence euh, qui, où il y a une fréquence qui est moins ample. Si vous augmentez encore l'aperture, on passe de E à E, le format 1 là est clairement plus haut. Donc, il y a une fréquence encore plus haute. Et le A, encore une fréquence encore plus haute. Alors faites attention, le A, vous voyez que les deux barres sont très proches ici. Ce n'est pas une seule barre, c'est bien deux barres. C'est que le formant 1 se rapproche très fortement du formant 2. Alors vous voyez que le formant 2 du coup est plus bas que pour le E. Ça on verra ça encore un petit peu plus tard. Pour le OU, O, O, A, a pareil. Regardez où on a un formant 1 qui est très bas. Alors là vous pourriez me dire, il bah, y, y a plus de formant 2, il y a plus de formant 3, etc. En réalité, il y a toujours d'autres formants, mais ils sont tellement bas il semble être collé au premier formant. On s'en reverra ça aussi un petit peu plus tard. Dès que vous voyez des barres assez épaisses, c'est que probablement il n'y a pas qu'un seul formant, mais deux formants qui sont collés. Très très proches. Donc ou formant 1 très bas, O formant 1 un peu moins bas, O formant 1 encore moins bas, et O formant 1 encore moins bas. Et donc, ça, c'est un élément sur le plan acoustique qui nous permet de connaître l'aperture d'une voyelle. C'est la hauteur du premier formant, tout simplement. Et vous voyez que c'est plutôt lisible. Alors, bien sûr, on a parfois un peu de mal à faire la différence entre semi-fermé et semi-ouvert, évidemment, mais euh, la différence entre fermé et ouvert, déjà, est très claire. D'accord Même la différence entre semi-fermé et ouvert est très claire. Et la différence entre semi-ouvert euh, semi et fermé est très claire. Bien. Donc on peut reconnaître assez aisément euh, l'aperture des voyelles à partir de leur premier format. Et c'est ce que vous allez faire dans les exercices euh, cette semaine. Donc c'est euh, la généralisation que l'on peut faire là, dans cette diapo. Le format 1 bas vous indique une voyelle fermée. Le format 1 haut vous indique une voyelle ouverte. Et vous avez différents degrés entre les deux. Si le format 1 est un peu bas mais pas haut, au maximum... Euh, Minimum pardon, de fréquence, alors vous avez une voyelle probablement semi-fermée. Et si le F1 est haut, mais pas aussi haut que pour une voyelle ouverte, alors vous avez une, euh, une, un, une voyelle probablement semi-ouverte. Donc alors faites attention, je vous donnerai des valeurs exactes en termes de fréquence sur une autre diapo. Euh, ces valeurs sont des valeurs moyennes, ce sont pas des valeurs dans l'absolu. Et euh, enfin, ce qui est le plus important sur un spectrogramme, c'est de savoir comparer les sons entre eux. Lorsque vous avez un mot avec plusieurs voyelles, vous pouvez assez aisément reconnaître l'aperture en comparant les différentes voyelles les unes par rapport aux autres. Parce que les fréquences, euh, les, les valeurs absolues de fréquence qu'on peut vous donner, et euh, eh bien, encore une fois, ce sont des moyennes. Là, celles que je vais vous donner euh, sont des valeurs euh, moyennes pour le français. Et euh, ça ne marche pas pour toutes les langues, d'accord Toutes les langues n'ont pas exactement les mêmes valeurs de fréquence, et même à l'intérieur du français, tous les dialectes n'ont pas les mêmes valeurs de fréquence, et toutes les personnes n'ont pas les mêmes valeurs de fréquence. Chez les hommes et chez les femmes, par exemple, on n'a pas exactement les mêmes valeurs euh, de fréquence. Bien. Donc maintenant, on passe au second formant. Je vous donnerai ces valeurs un peu plus tard. On passe au second formant, et le second formant est défini par la cavité buccale. Alors là, vous devriez tout de suite deviner à quel paramètre euh, cela correspond la cavité buccale, si on exclut l'aperture, c'est quoi Ce n'est pas l'arrondissement, c'est pas la nasalité, c'est l'antériorité. Voilà. Donc l'antériorité est représentée sur un spectrogramme par le deuxième format. Alors, Voyons voir un petit peu tout cela. Ici, vous avez encore une fois des spectres. On va commencer avec les spectres. Pour chaque euh, ligne, vous avez un degré d'aperture. Ici, les voyelles fermées. Ici, les voyelles semi-fermées. Et ici, les voyelles semi-ouvertes. Et on va maintenant regarder les différentes voyelles en fonction d'un même degré d'aperture, en fonction de leur degré d'antériorité. Le, les voyelles qui sont les plus à gauche sont les plus antérieures. Les voyelles qui se trouvent juste au milieu sont les voyelles antérieures arrondies. On a vu qu'elles étaient un petit peu moins antérieures, légèrement. Et les voyelles qui sont à droite sont les voyelles postérieures. Donc ici, vous avez un I. Le deuxième formant, c'est le deuxième pic d'amplitude que l'on trouve dans l'échelle des fréquences. Donc celui-ci, vous voyez, qui est juste au-dessus du pointeur de souris. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième formant. Et vous voyez que le premier formant est ici. Donc ça fait 1 et 2. Le troisième formant, du coup, est ici. Etc, etc. Donc ce deuxième formant, eh bien, il est assez éloigné du premier formant. Okay si on regarde le U, le deuxième formant est également assez éloigné du premier formant, ce qui est assez cohérent puisque c'est également une voyelle antérieure. Alors elle est arrondie donc un peu moins antérieure, mais ça reste une voyelle antérieure. <laughs> Et pour le ou, le deuxième formant, eh on a l'impression qu'il a disparu. Ce n'est pas vraiment qu'il a disparu, c'est qu'il est tellement bas qu'il est collé au premier formant. Il semble être collé au premier formant. Donc la différence entre les deux, elle, il faudrait vraiment zoomer pour la voir. Et donc, ici, vous voyez que la position du deuxième formant correspond a priori euh, à l'antériorité, avec le peu de choses qu'on vient de voir pour le moment. On va voir les autres voyelles ensuite. Plus le deuxième formant est haut, haut dans l'échelle des fréquences, plus la voyelle est antérieure. Plus le deuxième formant est bas, plus la voyelle est postérieure. Alors voyons maintenant le E, le E et le O. Le E, vous avez le deuxième formant ici. Il est très éloigné du premier format. Donc voyelle antérieure. Le E, vous voyez que le deuxième format, bah déjà, il n'est pas aussi éloigné. Il est juste ici. Alors, là, juste au-dessus de mon curseur. Et bien ce deuxième format est un petit peu moins éloigné. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, les voyelles arrondies sont un petit peu moins antérieures que les voyelles non arrondies. Et pour le U, ça se voit moins. Pour le E, ça se voit un peu plus. On reviendra là-dessus quand on parlera de l'arrondissement. Et enfin, pour le O, le deuxième formant a quasiment disparu. Comme pour le OU, c'est parce qu'il est collé, en réalité, au premier formant. D'accord Donc, c'est bien une voyelle postérieure. Donc là, notre généralisation semble se confirmer. Le deuxième formant, BAS, correspond à la postériorité. Le E, même chose. Deuxième formant... Plutôt éloigné du premier formant, donc voyelle antérieure. Le « e », le deuxième formant qui est ici, est un peu moins éloigné. Donc voyelle antérieure, oui, mais un peu moins antérieure. Et le « o », le deuxième formant qui se trouve, regardez, là. Alors attention, ce n'est pas celui-ci, hein, ce n'est pas ça. ça c'est le troisième formant. Le deuxième formant est là, juste au-dessus. Il est juste à côté du premier formant. D'accord Donc c'est bien une voyelle postérieure, comme le « o ». Et comme le OU. Bien. Sur un spectrogramme, même chose, même de façon encore plus lisible, vous avez le deuxième formant qui est ici. Pour le I, il est très haut. Pour le U, vous pouvez voir, si vous comparez les deux, qu'il est même un tout petit peu moins haut. Tout petit peu. Et pour le OU, on voit donc les deux formants quasiment collés. Et le deuxième formant est très bas. Donc vous voyez le postérieur. Le E, le deuxième formant est très haut. Vous voyez l'antérieur. Le E. Il est moins haut, donc voyelle antérieure, mais voyelle antérieure arrondie, donc un peu moins antérieur, Et le O, il est très bas, quasiment collé au premier formant. On a l'impression d'avoir une seule barre très épaisse. Le E, deuxième formant haut, donc voyelle antérieure. Le E, un peu plus bas, comme on l'a vu. Et le A, deuxième formant bas, quasiment collé au premier, donc voyelle postérieure. Donc la généralisation est très simple. Plus le deuxième formant est bas, plus la voyelle est postérieure. Plus le deuxième formant est haut, plus la voyelle est antérieure. Et alors, on a entre les deux, lorsque le deuxième formant est euh, relativement haut, mais pas aussi haut que pour les voyelles antérieures telles que I et E, eh c'est qu'on a une voyelle antérieure arrondie. d'accord Mais il y a une autre manière de reconnaître les voyelles antérieures arrondies, c'est le troisième formant, qu'on va voir maintenant. Donc le troisième formant... Qui est le formant qui est du coup juste au-dessus du formant, du formant 2, il est défini par la cavité labiale, mais pas seulement, également aussi par la position de la langue à l'intérieur de la cavité buccale. Mais principalement la cavité labiale. Alors, le troisième formant pour le I, il est ici. Vous voyez, c'est le troisième pic qui se trouve là. Vous voyez qu'ici, il est assez haut et assez ample. Alors, moins que pour le formant 2, mais quand même relativement ample. Et pour le U, qui est l'équivalent arrondi du I, le troisième formant se trouve ici, juste collé au deuxième formant. Ce n'est pas très lisible sur les spectres, hein, bien sûr. Je ne vous demanderai pas vraiment de lire des spectres. Enfin, je pourrais très bien, en fait, vous demander de lire des spectres, mais peut-être de meilleure qualité que cela. Euh, C'est plus intéressant sur les spectrogrammes, en réalité. C'est intéressant d'abord de voir ce qui se passe sur les spectres. Donc ici, troisième formant, quasiment collé au deuxième formant. On passe au E. Troisième formant ici. Alors, pardon, attendez. Oui, ici. Là, il est quasiment collé au deuxième formant, mais ce qui est important surtout pour nous, c'est qu'il est haut. Ici, il est moins collé au deuxième formant, mais il est plus bas. Alors, il faudrait pouvoir coller les spectres l'un sur l'autre pour pouvoir le voir. Euh, on va le voir juste après sur les spectrogrammes. D'accord Ce n'est pas forcément très lisible ici. Le E et, et le E. Donc vous avez un, deux, troisième formant qui est ici. Pas là, attention, mais là. Donc quasiment collé au deuxième formant. Et ici, il est un peu moins collé au deuxième formant, mais attention, ça ne veut pas dire que la voie est non arrondie. Il est plus bas en réalité que ce que vous avez ici. Bon. Donc ce n'est pas très très lisible euh, sur les spectres, je vous l'accorde. Regardons maintenant ce qui se passe sur les spectrogrammes. Ici, vous avez le I, le troisième formant est haut. Vous voyez, là. Et sur le U, il est beaucoup plus bas. Alors attention, le troisième formant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celui-ci. C'est celui-ci qui est collé au deuxième formant. D'accord Vous voyez que ça, cette espèce de barre, elle est quand même très très épaisse. Beaucoup plus épaisse que ce que vous avez là ou là. C'est parce que vous avez deux formants collés l'un à l'autre. Donc la partie supérieure ici vous donne le troisième formant. Et le troisième formant, vous voyez qu'ici, il est plus bas pour le U que pour le I. Pour le E, vous avez un, deux, troisième formant. Il est assez haut et collé au deuxième formant, tandis que pour le E, il n'est moins que le deuxième formant, mais il est plus bas. Regardez ça. Ici, il est un petit peu plus bas. Comparé avec ce qu'on a pour le E, un peu plus haut. Pour le E, un tout petit peu plus bas. Alors, il y a une valeur euh, absolue qui marche quasiment pour toutes les langues. Alors toutes les langues n'ont pas de voyelle antérieure arrondie d'ailleurs, donc euh, c'est pas forcément toujours utile, mais euh, <coughs> qui marche généralement, c'est la, la valeur pardon, de 2500 Hz. On admet généralement que euh, au-dessus de 2500 Hz pour F3, pour le formant 3, euh, c'est une voyelle non arrondie, et en dessous de 2500 Hz c'est une voyelle arrondie. On passe ici à E, mais ici les valeurs ne sont pas représentées. Euh, on passe ici à E, le troisième format est là, donc 1, 2, 3, c'est l'espèce de tâche que vous avez ici, ou barre que vous avez ici. Et pour le E, il est un tout petit peu plus bas. Voilà. Donc vous pouvez voir que eh bien, le format 3 est un peu plus difficile à lire quand même que les formats 1 et 2. Et c'est normal, si vous avez plus de mal à le lire, c'est parce que c'est un petit peu moins facile. C'est normal, c'est le cas pour tout le monde. <coughs> Sur le i et le u, tout de même, c'est assez lisible. Lorsque formant euh, 2 et 3 sont collés, on a un u. Et il suffit de voir que le formant euh, 1 est bas et que le formant 2 est haut pour voir qu'il s'agit bien d'une voyelle fermée antérieure. Bon. Pour euh, le e et le e, en revanche, la manière la plus simple de les reconnaître, c'est de voir la distance qu'il y a entre les trois formants. Regardez. Pour le I, vous voyez que la distance entre formant 1 et 2, elle est grande, et la distance entre formant 2 et 3, elle est petite. Même chose pour le U, avec une distance encore plus petite entre formant 2 et 3. Pour le E, pareil. Pour le E, pareil. Mais en revanche, pour le E et le E, Regardez, la distance entre le formant 1 et le formant 2 est égale à la distance entre le formant 2 et le formant 3, à peu de choses près. Et pour le e, c'est pareil. Alors la différence entre e et e, c'est la hauteur du formant 1 qu'on a déjà vu, mais sinon, vous voyez que ici, formant 1 et 2, on a une distance qui est, disons, de la taille du curseur à peu près, et entre 2 et 3, eh c'est la même taille. Bon. donc ça vous fait des rayures régulières en quelque sorte. Eh bien, la présence de, régu... de rayures pardon, régulières de ce type vous indique généralement une voyelle de type E ou E. Donc c'est une manière de les reconnaître. Alors bien sûr, ce n'est pas une manière très formelle de les reconnaître, c'est simplement pour vous aider. Bien, donc la généralisation euh, sur le format 3, c'est si le format 3 est bas, en dessous de 2500 Hz, on a une voyelle arrondie. Si le format 3 est haut, au-dessus de 2500 Hz, on a une voyelle non arrondie. Et enfin, on passe à notre quatrième paramètre des voyelles. Quatrième paramètre articulatoire des voyelles, c'est la nasalité. Et la nasalité, elle ne correspond pas vraiment à un formant. Elle correspond à ce qu'on appelle un antiformant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un antiformant On a vu tout à l'heure que le filtre renforçait certaines fréquences. Et ces fréquences renforcées étaient ce qu'on appelait des formants. Et elle atténue d'autres fréquences. Eh bien, cette atténuation des fréquences s'appelle un antiformant c'est lorsque au lieu d'avoir un pic d'intensité dans les formants on a une espèce de creux on a des fréquences qui perdent de l'amplitude qui perdent de l'intensité bon et eh bien c'est l'effet qu'a la nasalité sur, euh, sur certaines fréquences et en particulier sur les fréquences hautes comme on va le voir alors regardons sur les spectres c'est pas extrêmement lisible c'est même pas très lisible donc vous pouvez essayer de, de comparer un petit peu cette, cette image avec l'image qui va suivre, mais vous n'allez pas voir grand chose, surtout que euh, ici j'ai pris une fenêtre, je crois, attendez que je regarde euh, de 5000 Hz, et j'aurais dû plutôt prendre une fenêtre de 10 000 Hz pour que ce soit peut-être éventuellement plus lisible. Et encore je ne suis pas sûr là. Donc c'est pas très lisible sur les spectres. On va passer à ce qui nous intéresse le plus, les spectrogrammes qui sont ici. Alors, qu'est-ce que l'on remarque La première ligne vous donne des voyelles non nasales et la deuxième ligne des voyelles nasales. On a O, ON d'un côté, E, UN au milieu et A, EN à droite. Et qu'est-ce que l'on remarque Alors, pour le O et le ON, on ne remarque pas grand-chose, c'est vrai. Pour le E et le UN, en revanche, regardez ce qu'il y a ici. Il y a du blanc. D'accord Or, c'est quoi le blanc sur un spectrogramme Le blanc sur un spectrogramme, c'est une absence d'amplitude, ou plutôt... Une amplitude très faible sur des fréquences hautes, ici, sur des fréquences hautes parce qu'on est en haut du spectrogramme. Et vous vous souvenez que les fréquences sont représentées sur cet axe vertical. Et donc on a du blanc sur le 1 qui est nasal et on n'en a pas sur le E qui n'est pas nasal. Bon, vérifions si, si ça marche aussi pour les autres voyelles. Le A on a un peu de blanc, c'est vrai, mais regardez le AN, on a beaucoup plus de blanc. C'est-à-dire que les fréquences hautes ont, été, ont une amplitude qui a été encore plus atténuée. Que pour le a. Eh bien, c'est ça un antiformant. Un antiformant, c'est une espèce de zone blanche dans les fréquences hautes. Hautes en particulier, parce que euh, en phonétique, dans la, les sons de la parole, euh, l'antiformant se retrouve uniquement pour les sons nasals et dans les fréquences hautes. En théorie, un antiformant ne serait pas limité que aux fréquences hautes dans les sons de la nature. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est le cas. Et donc, c'est ça qui nous permet de reconnaître les sons nasales. Alors, on parle des voyelles, mais on verra plus tard que pour les consonnes nasales, c'est exactement la même chose. La nasalité, en général, apporte un antiforme. Et donc, c'est ça la généralisation que l'on doit faire. Les fréquences hautes atténuées, c'est ce qui correspond à la nasalité. Alors, on vient de voir que pour le O et le ON, ça marchait un petit peu moins. C'est parce que euh, tout simplement le, la qualité de l'enregistrement ici n'est pas très très bonne parce que j'ai enregistré avec un ordinateur qui n'a pas un très très bon micro et ça joue beaucoup aussi sur euh, la lisibilité des antiformants. Il y a aussi l'échelle des, des fréquences, la plage de fréquences, pardon. J'ai choisi ici dans cette diapo de vous mettre une plage de fréquences de 5000 Hz pour qu'on voit bien, qu'on distingue bien les formants. Euh, pour bien voir un antiformant, il faudrait plutôt choisir une plage de fréquence de 10 000 Hz, ce qu'on verra plus tard avec les consonnes. Et c'est pour ça que euh, l'antiformant du on est un petit peu moins lisible. Bon. Euh, voilà, donc en résumé, <coughs> en résumé ce que l'on vient de voir, un petit, là vous avez les, les, valeurs, euh, les valeurs moyennes euh, absolues pour chacun des formants, comme je vous, vous l'avais promis. Ce que l'on vient de voir, c'est que euh, les, les différents paramètres articulatoires des voyelles que sont. L'aperture, l'antériorité, l'arrondissement et la nasalité correspondent à, certaines, euh, à certains éléments euh, de l'acoustique. Ces éléments sont les formants et les antiformants. Les formants, ce sont des zones de fréquence qui ont été renforcées, dont l'amplitude a été renforcée. Et euh, les antiformants sont à l'inverse des zones de fréquence dont l'amplitude a été atténuée. Le formant 1 correspond à l'aperture, le formant 2 correspond à l'antériorité, le formant 3 à l'arrondissement et l'antiformant correspond à la nasalité. Plus le formant 1 est haut, plus la voyelle est ouverte, plus le formant 2 est haut, plus la voyelle est antérieure, plus le formant 3 est bas, plus la voyelle est arrondie et si on a un antiformant, on a une voyelle nasale. Donc ce n'est pas très très compliqué. La difficulté à la limite c'est de pouvoir relire tout cela sur un spectrogramme. C'est pour ça que vous allez faire quelques exercices. On passe maintenant à la troisième partie du cours, qui est la prosodie. La prosodie, on l'a vu sur le plan articulatoire, c'est tout ce qui se rajoute à l'articulation des sons. Donc tout ce qui est euh, du domaine en réalité de la soufflerie et euh, du larynx. Sur le plan acoustique, on pourrait appeler ça euh, la modulation non formantique des voyelles. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est que les voyelles se définissent par déformants se distinguent les unes des autres par leurs valeurs formantiques et anti formantique si vous, si vous me permettez d'utiliser ce terme euh, et donc tout ce qui est en dehors des, des formants vous donne la prosodie des voyelles alors là vous avez euh, plusieurs paramètres qui rentrent en compte il y a la durée l'amplitude et la fréquence fondamentale la durée la durée, alors euh, il oui, y une diapo que j'ai complètement oubliée, euh, c'est pas très important ça. La durée, c'est la longueur de la voyelle en millisecondes, exactement comme euh, ce qu'on avait pu voir sur euh, l'articulatoire. On peut l'observer sur un spectrogramme de façon extrêmement simple. Ici, vous avez deux voyelles, une voyelle là, une voyelle là. Comment on les reconnaît Ce sont des sons qui ont une forte amplitude. Vous voyez, ici vous avez déjà des barres, des formants, donc c'est important ça. On a des formants et ces formants sont assez sombres. D'accord Donc forte amplitude plus formant, ce sont des voyelles. Ici, pareil, on a des formants et on a une forte amplitude. C'est une voyelle. Et ces deux voyelles, eh bien, elles n'ont pas la même durée. Celle-ci a une durée qui est moindre que celle-là. D'accord Donc là. Aucun problème pour lire ça, je pense que vous y arrivez tous. Alors, euh, est-ce que ces voyelles sont les mêmes, à votre avis Regardez, le formant 1, il est à la même hauteur. Le formant 2, il est à la même hauteur. Le formant 3, il est à la même hauteur. Et on n'a pas de présence d'antiformant particulier dans l'une ou l'autre de ces deux voyelles. Donc, est-ce que c'est la même voyelle Oui, c'est la même voyelle. On a les mêmes valeurs, donc c'est la même voyelle. Alors faites attention, ce ne sont pas des représentations abstraites, ce sont des représentations concrètes du son. Donc vous avez bien sûr des petites choses qui les distinguent. Là, par exemple, le formant 1, il tend à descendre. Ici, il tend à monter un petit peu. Là, à l'inverse, le formant 2 tend à descendre. Et ici, pour le formant 1, il tend à monter un petit peu. Bon, ces choses peuvent, à l'œil nu, comme ça, les, les différencier un petit peu. Ben ça, il faut bien comprendre qu'on prononce jamais deux fois le même son. Jamais, jamais, jamais. Et les sons sont influencés par leur entourage. C'est la coarticulation dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Et dont on reparlera encore un petit peu. <coughs> Bien. Donc vous allez faire des exercices dessus. Euh, et vous allez vous entraîner. Et ça devrait normalement rentrer. L'amplitude, c'est l'intensité de la voyelle en décibels. Donc on a déjà vu ça sur le plan articulatoire. Un son A comme ceci est moins intense qu'un son A prononcé comme ceci. Bon, c'est ça l'amplitude. Sur un spectrogramme, vous savez déjà le lire normalement, c'est le degré d'obscurité ou de clarté du son. Donc là vous avez deux voyelles, des formants et une amplitude qui est plus importante que les sons voisins. Sur l'oscillogramme vous voyez la même chose, cela forme deux espèces de petits bulbes. D'accord? Quand je dis bulbe, ça veut dire des sortes de des zones qui ressemblent comme à des perles sur un collier de perles. D'accord C'est ça que j'appelle des bulbes. Bon. Et, euh, et qu'est-ce que l'on observe Eh bien on observe sur le spectrogramme que ce premier A il est moins sombre que le deuxième. S'il est moins sombre, ça veut dire qu'il est moins ample, qu'il est moins intense. Sur l'oscillogramme, on observe que le premier A forme un bulbe qui est un peu moins grand que le deuxième A, qui forme un bulbe un peu plus grand. Bon, bah c'est que le, le premier est moins intense que le deuxième. Donc l'intensité, c'est très facilement reconnaissable sur un spectrogramme ou sur un oscillogramme. D'ailleurs, c'est probablement plus reconnaissable sur un oscillogramme que sur un spectrogramme, puisque le spectrogramme vous donne l'amplitude de chacune des fréquences du son complexe, alors que l'oscillogramme vous donne l'amplitude du son dans son ensemble donc c'est probablement beaucoup plus facile de lire un spectrogramme d'un oscillogramme pardon inverse un oscillogramme pour connaître l'amplitude d'un son que de lire un spectrogramme et enfin enfin la fréquence fondamentale c'est ce qui vous donne la hauteur d'un son mesurée en hertz et euh, la fréquence fondamentale pour ceux qui ne s'en souviennent pas on a vu ça la semaine dernière c'est la fréquence la plus basse d'un son donc vous vous rappelez qu'un son est nécessairement complexe dans la nature, il est fait de plusieurs fréquences. La fréquence fondamentale qui vous donne la hauteur du son, c'est le son, c'est la fréquence pardon, le, la plus basse. Et hein, puisque c'est la fréquence la plus basse, on a un petit peu du mal à la voir sur un spectrogramme. Ce n'est pas le premier formant. Le premier formant, c'est une zone d'harmonique renforcée. Donc ce sont des harmoniques. Ce n'est pas la fréquence fondamentale. Pareil pour les euh, formants qui sont au-dessus, bah, ils sont encore moins euh, représentatifs de la fréquence fondamentale, puisque ce sont des harmoniques encore plus hautes. Non, pour retrouver la fréquence fondamentale, il, fallait, il faut aller tout en bas, tout en bas, tout en bas, sauf que tout en bas, ben, on ne voit plus rien. D'accord Donc pour connaître la fréquence fondamentale, généralement, eh bien, on demande à l'ordinateur de la calculer séparément et euh, de nous donner une courbe qui nous donne à peu près l'évolution de cette fréquence fondamentale. Donc par exemple, pour le premier A, vous voyez qu'il y a une courbe qui est plutôt basse et relativement descendante. Bon, a priori, ici vous avez un ton, une hauteur qui est basse. Pour le deuxième A, vous voyez que la courbe est un peu plus haute et a tendance à monter. Bon, c'est probablement la hauteur est haute pour cette deuxième voyelle. Donc vous avez deux voyelles avec des hauteurs différentes. Et remarquez, sur le spectrogramme, on ne voit pas du tout de différence dans le bas. D'accord? C'est parce que la fréquence fondamentale ne se voit pas sur un spectrogramme. Bien. Donc pour conclure tout ce que l'on vient de voir ici. On vient de voir que les voyelles sont aisément reconnaissables à leur intensité qui est plus importante que l'intensité des sons voisins. Donc, comme ça, on le voit sur un oscillogramme ou sur un spectrogramme. Et que les voyelles sont reconnaissables entre elles à, la, leur, à leur valeur formantique. Donc, les formants étant les différentes zones d'harmonique qui ont été renforcées par le filtre, par une certaine modulation de l'appareil phonatoire. Le formant 1 correspond à l'aperture, le formant 2 à l'antériorité, formant 3 arrondissement, et l'antiformant c'est la nasalité. Et enfin, on a vu que on pouvait lire sur les voyelles différents paramètres prosodiques tels que la durée, facilement lisible sur un spectrogramme ou un oscillogramme, l'amplitude, également lisible sur un oscillogramme ou un spectrogramme, plus sur un oscillogramme, et enfin la fréquence fondamentale, qui n'est lisible ni sur un spectrogramme, ni sur un oscillogramme et qui est éventuellement lisible sur un spectre, si on zoome bien, mais euh, le plus simple, généralement, c'est de demander directement à l'ordinateur de calculer euh, la courbe de hauteur d'un son. Voilà. Donc euh, tout ça, c'est pour les voyelles. Vous allez avoir quelques exercices sur Selene, euh, qu'il faudra me rendre euh, pour... Euh, je vous redonnerai l'information, mais je pense que ce sera quelque chose comme, euh, on va dire... Euh, Peut-être... Euh, alors, pour cette semaine, ce sera peut-être un peu spécifique, parce qu'il faut le temps de mettre tout ça en place, mais généralement, ce sera, je pense, pour quelque chose comme peut-être vendredi midi, quelque chose comme ça, d'accord Pour que j'ai le temps, comme ça, euh, vendredi après-midi, de, de regarder un peu, de relever les notes. Je vous redirai ça par écrit, ce sera beaucoup plus simple. Ce seront des exercices où vous allez devoir lire des spectrogrammes, donc essayer de reconnaître toutes les informations que l'on vient de voir, et euh, et ensuite, vous aurez la semaine prochaine ou en fin de semaine une vidéo avec la correction. Et je pense que je ferai en sorte que la vidéo ne soit lisible, la vidéo de la correction ne soit visible que pour les personnes qui m'ont rendu leurs exercices. D'accord Ce n'est pas parce que on travaille à distance que vous ne devez plus travailler. Je veux que vous travaillez et je vais faire en sorte que de vous inciter à travailler. Bien. Il euh, y avait quelque chose d'autre que je voulais rajouter. Euh... Oui, je rajouterai probablement quelques petites références sur la lecture des spectrogrammes. Vous trouvez souvent des, des sites internet qui sont faits par des phonéticiens qui sont pas trop mal. Alors parfois, par contre, ça correspond à la phonétique de l'anglais. Donc je vais regarder un petit peu. J'ai pas encore regardé. Je vais essayer de vous trouver quelques, quelques sources pour un peu complémenter tout ce que l'on vient de faire. Euh, parce que bon, j'ai conscience que euh, sans les TD en présentiel, c'est quand même un petit peu moins facile. Mais on va essayer de compenser tout ça. Et, euh, et si je trouve euh, quelques, des livres que j'aurais téléchargés illégalement, attention, et que je mettrais sur Selen. Mais si j'arrive à en trouver, ça c'est absolument pas sûr. Euh, voilà. Bon, donc euh, pour vos questions. Je mettrai un petit chat ou un forum euh, sur Célène dans la section de ce cours. Vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai dans la semaine. Et euh, si j'oublie d'y répondre, eh bien, vous m'envoyez un mail et puis euh, j'y répondrai euh, de nouveau sur euh, le, le forum euh, Célène. Voilà, donc euh, bon travail, bonne semaine, et à la semaine prochaine pour le cours 10.